Je m'appelle Patrick Lévesque, je suis parrain à la mission locale depuis 11 ans maintenant et je suis un retraité de la pétrochimie. Alors cette soirée spéciale, c'est une récompense demandée par un autre parrain. Le parrain en question, c'est Monsieur Robert Broudarel. J'ai été nommé le 21 novembre 2017 chevalier de l'Ordre National du Mérite par décret du Président de la République et ce soir, c'est la remise officielle de l'insigne de cette récompense. Alors qui sera présent? Il y a eu beaucoup d'invités. Alors d'une part de mon côté, d'une part de la mission locale. La personne qui me remet la médaille, c'est le directeur départemental du service d'incendie et de secours, le colonel Grégory Allion. Donc il y aura aussi des sapeurs-pompiers, voilà, un peu des retraités, des gens de la mission locale, des élus. Enfin, voilà. Quand on est mis en avant comme ça, sur une récompense comme ça, on est content. Stressé aussi d'ailleurs, mais évidemment, oui, c'est quand même un grand honneur de recevoir une récompense à ce niveau-là. Quoi. Patrick Lévesque, je l'ai connu pratiquement la première réunion à laquelle j'ai assisté il y a 4 ans. J'ai connu Patrick Lévesque parce qu'on avait une table ronde, on était côte à côte, et je crois que j'ai pas mis 10 minutes pour apprécier l'homme tel qu'il est, hein, l'homme généreux, donc avec toutes les qualités qu'on lui connaît. Lorsqu'on a fait de cette médaille une médaille du bénévolat, hein, c'est-à-dire de tous ces gens qui se donnent. Donc bénévolement pour que des jeunes, là en l'occurrence, c'est pour que des jeunes donc, puissent avoir un tremplin pour le travail. Et on a voulu, donc, et lui c'était la personne la plus représentative d'entre nous, loin s'en faut, hein, de beaucoup. Et donc on a souhaité faire ça, et moi je n'ai fait que le secrétariat, c'est-à-dire m'occuper des liens avec la préfecture pour que cela soit réalisé. Je le connais essentiellement pour son engagement associatif, pour le bénévole qu'il est, que ce soit la mission locale et également la réserve communale. Voire avant à la Croix-Rouge. C'est un bénévole exemplaire, un de ces hommes qui font la fierté et la richesse d'un territoire. Je le connais donc effectivement pour cet engagement associatif. Patrick, c'est un boulimique de bénévolat et d'engagement citoyen. C'est quelqu'un qui a donné une grosse partie de sa vie à l'engagement citoyen et notamment pour la jeunesse de notre territoire. Patrick Lévesque, je l'ai connu dans le cadre du parrainage et ça fait donc un moment que je le côtoie. Quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un de très très humain. J'ai eu la chance, l'honneur et l'avantage d'être son supérieur quand j'étais chez les sapeurs-pompiers de Salon-de-Provence. Et c'était un de mes adjoints qui travaillait dans les services et qui était toujours quelqu'un de remarquable, qui était très discret, très efficace. Et c'était un plaisir parce que dès qu'on demandait un travail à Patrick, ben, c'était même pas la peine de savoir si ça allait être fait et bien fait surtout. Et dans les délais, donc c'était vraiment un grand plaisir. Alors Patrick, c'est quelqu'un de très très volontaire dans tout ce qu'il fait. Et il se donne à fond. Moi j'ai rencontré Patrick parce qu'il est parrain à la mission locale aussi. Et moi je suis revenue de l'étranger il y a 3 ans et je suis arrivée sur Salon, je connaissais rien. Et les deux personnes qui étaient assez charismatiques quand je suis arrivée à la mission locale, c'était Patrick et Robert. En fait. Et c'est des personnes avec qui j'ai sympathisé assez rapidement. Alors Patrick Lévesque, je l'ai rencontré dans le cadre de la mission locale. Et dès le premier regard, si je puis dire, ça a été, alors peut-être pas un coup de foudre, hein, mais en tout cas un coup de foudre professionnel. Parce que il a été de suite accueillant, gentil, facilitant. Et voilà, ça a démarré très simplement et ça continue. J'ai connu Patrick en 2007. Moi, ça faisait 1 an que j'étais à la mission locale. Et j'ai vu qu'il était très disponible et c'est vrai qu'il est très avenant et j'ai vu que les jeunes beaucoup appréciaient son contact. Alors Patrick, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur les forums de l'emploi, à l'époque c'était les 6 mois pour l'emploi, et je le voyais régulièrement sur les forums, et c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait, déjà je voyais qu'il avait une démarche particulière vis-à-vis des candidats, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui passait beaucoup de temps à expliquer, à présenter les métiers de la chaîne. Et il est venu une première fois à une réunion de parrainage, donc à une table ronde. Et visiblement, ça lui a plu. Je l'ai du coup rencontré lors d'un forum pour l'emploi. Il y a de ça plus de 6 ans. Et ça s'est fait, en fait, nos rencontres s'est fait très naturellement. Il m'a vu en fait lors d'un stand avec une des entreprises qui était présente, où j'avais essayé de me présenter, de me vendre, sauf qu'il m'a de suite capté en me disant non, il faudrait revoir quelques petits trucs. Et du coup, le feeling est bien passé et on a de suite accroché. Et d'où le fait, après Cyril nous a proposé du coup un contrat de parrainage. Patrick, du coup, c'est quelqu'un qui m'a vraiment accompagné jusqu'au bout, très très gentil, très prévenant, vraiment
enfin, plein de qualités que même là aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions encore. J'aurais du mal à dire, mais vraiment, voilà, j'ai un poste dans lequel je travaille. On continue malgré tout à rester en contact et à continuer à me soutenir dans certaines épreuves que je peux rencontrer à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Alors, quelques mots, ben, effectivement, quelques mots, c'est peut-être peu par rapport à l'action qu'il mène depuis déjà de nombreuses années sur la mission locale, et pas que, c'est-à-dire tout son investissement aussi, bénévolement sur d'autres organismes aussi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, au-delà de ses qualités humaines, apporte vraiment un plus au niveau de l'accompagnement auprès des jeunes. Vous ne pouvez pas savoir l'honneur que vous me faites d'être ici ce soir, pour une seule et unique raison. Vous allez devenir la deuxième personne à qui j'ai le privilège et la fierté et l'honneur de remettre un ordre national. La première fois que je l'ai fait, c'était après ma décoration, à l'occasion du 14 juillet, une cérémonie très protocolaire, à une personne féminine qui est sapeur-pompier professionnel. C'était déjà un honneur, car pompier professionnel, certes, mais féminine. C'était tout un symbole le 14 juillet. Et ce soir, c'est tout un symbole aussi. Et c'est le côté binôme, finalement, de ces deux remises. C'est un sapeur-pompier volontaire aussi qui a servi notre unité et qui l'a servi dignement. Donc sachez que j'ai énormément de fierté ce soir d'être à vos côtés et de vous remettre dans quelques instants cet ordre national. Je l'ai côtoyé sur bon nombre de manifestations. Et c'est vrai qu'il est toujours dans l'ombre. Notamment quand il a son appareil photo entre les mains. Il se glisse partout. Puis d'un seul coup, clac, on entend l'appareil photo. Et on ne l'a pas vu venir, on ne sait pas d'où ça arrive, et ça, c'est exceptionnel. Je crois que voilà, Patrick, c'est la discrétion, je reviens sur sa simplicité, mais efficace. Ce soir, il était beaucoup ému, parce que j'ai plutôt l'habitude de le voir derrière un objectif que devant. Et c'est là aussi où l'on peut dire que Patrick est quelqu'un d'humble. Parce que quand on sait se mettre souvent derrière et pas régulièrement devant, c'est souvent des traits de caractère qui font qu'on aime regarder, on aime observer, on aime transcender ce qui est beau par l'œil de l'objectif, mais on n'aime pas se voir finalement sur la photo. Et c'est peut-être ça une des qualités aussi de Patrick, c'est cette forme d'humilité en étant photographe. Patrick, si je devais le décrire, c'est quelqu'un de très joyeux, c'est quelqu'un de très ouvert aussi et toujours disponible. Je veux qu'on puisse remettre à Elisabeth, ton épouse, ce magnifique bouquet. La remercier. Nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du mérite. Bah écoute Patrick, je m'adresse à toi maintenant, simplement te féliciter et te dire que la République, à travers cette distinction, a reconnu ton engagement citoyen et a reconnu toutes les heures que tu as pu passer loin de chez toi pour essayer d'aider nos jeunes à s'en sortir. Ben Patrick, je voulais te remercier pour ta simplicité, pour ta générosité au quotidien et pour tout ce que tu apportes au sein de la mission locale, mais aussi au niveau personnel à tous. Patrick, ben, moi je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait, généralement pour toute la société sablonnaise, mais plus particulièrement pour les sapeurs-pompiers, puisque déjà tu t'es énormément investi dans ton travail de pompier volontaire, où tu étais plus que professionnel. Tu as présidé l'amicale avec brio, et là aussi tu as été d'une humanité, d'une efficacité extrême. Et je te remercie parce que tu as pensé à moi, puisque depuis quelques années, avant que je parte à la retraite, tu me talonnais et tu me harcelais un peu pour me disant que comme j'allais m'ennuyer, il fallait que je vienne à la mission locale. Donc comme c'est toi qui me l'as demandé, je l'ai fait très volontiers et j'en suis très honoré, très fier et très content de le faire. Merci à toi. Je tenais encore une fois à te féliciter pour ta remise d'ordre du mérite. Je suis vraiment fière du coup de pouvoir dire que je compte parmi tes filleuls.
Donc, et encore un grand bravo à toi. J'ai trouvé que c'était une cérémonie magnifique ce soir. Je suis super contente pour toi parce que je suis contente qu'on ait pu valoriser toutes tes belles qualités, tout ce que tu as donné, partagé sans compter, et puis avec moi aussi, tout ce que tu as bien voulu faire. Donc je suis très contente, j'étais très émue et je trouve que c'est une super soirée à noter dans les annales. Voilà. Et la particularité de cette remise d'ordre national du mérite à Patrick, c'est qu'il y avait un côté humain qui levait tout ce protocole habituel que l'on peut connaître dans des institutions militaires ou même chez nous, chez les sapeurs-pompiers. Et cette humanité qui transpirait au sein de la salle faisait en sorte que finalement on était plutôt entre amis, entre personnes qui partagent l'engagement, personnes qui partagent l'altruisme, plutôt que dans une cérémonie finalement. On peut être monsieur et madame tout le monde. Il n'est pas nécessaire d'avoir des grades, il suffit de s'engager, il suffit d'en vouloir, il suffit de travailler, il suffit de donner aux autres, en fait, pour recevoir un peu de sourire. Et je pense que le meilleur des salaires, c'est celui lorsque vous avez quelqu'un qui vous regarde et qui vous dit à un moment donné merci de son regard, qui vous fait un sourire. Et c'est peut-être ça le plus beau qui puisse exister au sein de nos communautés et au sein de notre humanité tout court.